S'achemine-t-on vers une grève des boulangers en Guinée? L'idée traverse déjà l'esprit du président de l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée. El Hadj Alpha Omar Sako a menacé de déclencher un déblayage des boulangers pour protester contre une volonté du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME de créer unilatéralement une fédération des boulangers et d'installer à sa tête un individu qui n'est pas du domaine de la boulangerie. On était appelé par le ministère de Tourisme avant-hier aussi, donc pour des prises de contact avec la coopérative des boulangers. Donc eux, c'est le ministère du Commerce qui dit qu'il va les aider pour fédérer. Donc il veut fédérer avec l'Union. Nous, on a dit qu'on n'a pas de problème pour ça. Mais comme le gouvernement, c'est continuité, on dit celui de commerce de voir son homologue de l'artisanat pour qu'il puisse réagir à ces problèmes. Parce que nous, on ne pourra pas fédérer sans la FENAG, sans le ministère de l'artisanat. Parce que c'est notre ministère de tutelle. Donc, c'est ce qui les a fait mal. Après, j'ai dit que la coopérative n'a qu'à s'apprêter, ils vont les fédérer. Après, ils vont les accompagner. Il y a les boulangeries mobiles qui est dans le conteneur, ils vont les remettre. Là aussi, il y a un problème. Parce que, attendre M. Alpha Condé, il nous a remis officiellement les boulangeries mobiles devant le ministère de l'Artisanat d'alors, qui s'appelle M. Diallo Ousmane. Donc, le président Mamadou Doumbia est arrivé, lors de rencontres avec le secteur privé, j'ai eu à parler au palais, et M. le président a envoyé quelqu'un vers moi, il a pris mon adresse. Après 2 mois, le troisième mois, c'est Madame la gouverneure de la ville de Conakry qui m'appelle. Il m'a dit qu'il a reçu l'ordre à partir de la présidence de rechercher les boulangeries mobiles qui se trouvent dans le pays ou bien à Conakry. C'est ce qu'on a constitué un groupe. On a cherché toutes les boulangeries. Bon, quand on a envoyé le tableau, il nous a dit de prendre une copie, aller au haut commandement de la gendarmerie pour remettre à M. le général Balassamoura. C'est nous qui tiennent la FENAG, la Fédération nationale des artisans de Guinée, les 93 corps de métier. Donc, un seul filière ne peut pas devenir fédération. Ce monsieur, il n'est ni boulanger, il n'a même pas de boulangerie, il ne sait même pas trapper une pâte. Donc, il se réclame président, il veut fédérer. Tu as compris? Bon, c'est ce qui énerve les boulangers guinéens. Actuellement, il faut la mesure, ça avance parce qu'il appelle les gens à l'intérieur. Il dit, le colonel Mamadou Doumbia appelle tous les boulangers à Conakry ici. C'est assez faux. Si on envoie les boulangeries, comme je vois les gens qui sont avec la coopérative, les fonctionnaires d'État payés, et ça, tu as compris, qui se réclament le Mamour de Conapac, et ils sont boulangers à cause de les fours mobiles là. Ah, ça me pique. Nous allons réaliser la dernière énergie. En quoi faisant concret? Non, non, non. Vous savez qu'est-ce qu'on doit faire. Les boulangers, nous, on ne lance pas le caillou. On descend les rideaux. Abondant dans le même sens, Abdoul Sano Bari, vice-président de l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée, dit qu'ils n'accepteront pas d'être dirigés par quelqu'un qui n'est pas boulanger. Parce que ko dun do ko woni boulangerie dun do kadi menen kadi ko dun do woni premier ane maternelle amen ha diplôme ji amen ni ko dun do sa waawi jududde a waawi goɗɗum ko harayno waawi wasa goɗɗo fuɗɗi maternelle ha o gayni jangude bon donc haray menen men permettata hay e goto argol wiya mo naade ton wona boulangerie.